Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Tom Clancy Splinter Cell. Et donc on allait s'infiltrer, enfin une façon de parler, parce qu'il y aura quand même beaucoup d'action au niveau de la Kalinatech. Voilà. Bon ben sinon j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Allez, c'est parti. C'est pas un niveau qui est simple, bah, comme un peu tous les niveaux de Splinter Cell, mais je sais qu'ici, si je me souviens, il y a des mines murales qui sont assez embêtantes. Allez, c'est parti, on y va. Est apparu sur Internet à 3 heures ce matin. Ceci est une déclaration de guerre aux États-Unis d'Amérique et à leurs alliés. Tant que tous les soldats étrangers n'auront pas quitté la Géorgie, cette guerre continuera sur le sol américain et dans le monde, coûtant la vie à nos agresseurs. L'équilibre des pouvoirs vient juste de changer, et il n'est pas question d'accepter plus longtemps la tyrannie des États-Unis. Accuse les médias américains de participer à la diffusion du message de Kombei Nicolatse. Contrepoint ironique à la situation aux États-Unis, les soldats américains en Géorgie et en Azerbaïdjan ont passé leur 5e nuit sans affrontement. Bien que les tensions demeurent, le renseignement militaire s'est avéré incapable de localiser le moindre commando géorgien. On décuplé leurs efforts pour tenter de localiser Kombei Nicolatse. Les services de renseignement américains ratissent une zone de plus en plus vaste autour de la Géorgie. Chaque nouveau pays étant susceptible d'avoir conclu une alliance secrète avec... Sommes confrontés à une situation inédite, dans laquelle de nouvelles frappes aériennes ne serviraient à rien. L'armée de Nicolazé, si on peut appeler ainsi ce ramasside. Tandis que les familles préparent les obsèques de leurs proches, les forces de police et l'armée américaine se préparent à affronter le pire, dans l'attente de la prochaine manœuvre de Kombei Nicolazé. Voilà, donc on va aller dans le bâtiment de la Kalinatech, à l'anglais en Virginie, 1h24 du matin. Et on va devoir récupérer la clé de chiffrage. Donc des mercenaires russes ont commencé à détruire des preuves des activités géorgiennes à Kalinatech, avant d'être repérés sur les réseaux. Grimsdottir a découvert qu'un technicien du nom de Ivan se cache dans le bâtiment. Ivan possède la clé de chiffrage qui pourrait aider Echelon 3 à trouver Nicolas Tse. Allez, c'est parti. On y va. Fisher, votre mission est de sauver un certain Ivan. Quand Grimsdottir s'est fait repérer sur le serveur de Kalinatech, les mercenaires de Nicolas Tse ont pris peur. Ils déménagent et effacent toutes les traces de leur présence. Oula. Qui est Ivan? Un des hommes de Nicolas Tse, un programmeur. Ils descendent leurs propres hommes? Des éléments compromettants. Trouvez-le le premier. Consultez votre montre terminale. Ok. Pardon, excusez-moi. Faut que je me rappelle un petit peu des touches. C'était longtemps. Bon, on va essayer d'aller un peu dans l'ombre quand même. Bon, j'ai gaspillé pas mal de munitions, ça c'est un peu con. Mais bon. Alors, si je me souviens. Bon, c'est ramené, ouais. Aïe aïe aïe. Heureusement, on est assez loin. Ah, on n'arrive pas à la voir. Ça va, on l'a vu. Bon, c'était pas évident, évident. Mais bon.
Alors désolé, mais je vais faire une save rapide. Parce que comme je l'ai dit, c'est pas un niveau qui est évident. Bon, ici, il n'est pas question de furtivité, hein. Ce sont des mercenaires qui attaquent Kalinatek. Donc, on va pas être vraiment dans le furtif là. De toute façon, il n'y a plus d'alarme. On a le droit de tuer, donc pas de problème. S'il n'y a rien. T'as du sang sur tes chaussures. Là, je vais essayer de l'avoir rendu. Ouais. Si je m'écoutais, j'aurais décampé depuis longtemps. Oh, il m'a dit de les boire comme des moutons. Il a dit qu'on dégraisse le troupeau. Un petit peu. Allez, là. On a notre... Je vais plutôt prendre notre flingue. Hein. Quoi? C'est pas trop mal. On a une petite crousse. Ouais, ok. Alors, une petite save. Là, il y a un petit freeze. Ouais, un gros freeze même sur la PS3 là. Ouais, je commence à être un petit peu âgé. Ou c'est le jeu, hein, c'est peut-être normal. Alors, pick-up là, ils ont rien pour nous. Non. Par contre, je sais pas par où c'est, je me souviens plus. Ça commence bien, je suis déjà bloqué quoi. Ouais, ça tombe, c'est de la combinée, ok. Ici, non. Ça commence fort, les cocos. Qu'est-ce qu'il y a par là? Ah non, on peut pas aller là. Errance, ouais. Pas possible. C'est une blague. Je suis déjà bloqué, ça. C'est dingue, ça.
Well. Oh, je suis pas cinglé, hein. C'est de la combien, quoi. Ouais. Non, on les a schtroumpfés. Ok, ça va. Ah là là. Aïe aïe aïe, ah non, ça je déteste. Je vais sauver. Les sauts comme ça, en général, je les rate assez souvent. Okay. Bien mis, je pense. Ouais. Okay. Hop, allez, on y va. Donc, Nancy, ça me fiche. On est bloqué là. L'aile ouest du cinquième étage est sécurisée. On passe au sixième. Hop. Combien de clés de cryptage vous avez récupérées? Ouais, fait. On va sauver ici aussi. Hein. Hop. Ouais, c'est en face, hein, je crois. Ouais. Ok, bien joué. Chargement rapide. Comme ça pour sauter, ça cingle. Voilà, c'est mieux. Du Doom. Ok. Qu'il est mort? Tu rigoles! On voit son cerveau! Évidemment qu'il est mort! Et son machin de cryptage, là? La clé? Oui, la clé de cryptage! Je l'ai détruite! Viens, faut pas traîner ici! On va bien les laisser partir, ceux-là. Oula! Ouais. On va prendre le petit flingue. Il sera mal, quoi. Oh, c'est pas vrai. Non. C'est pas grave. C'est pas très loin. Zoup. Tu es sûr qu'il est mort? Tu rigoles. On voit son cerveau. Évidemment qu'il est mort. Et son machin de cryptage, là. Non, la clé occuper, oui, hein. La clé de cryptage. Je l'ai détruite. Viens, faut pas traîner ici. Ok. Oh. Quoi? C'est pas possible ça, moi je veux pas aller là, je veux rentrer dans ce bâtiment. Bon, ça me plaît pas, désolé, hein, on fait un petit test. Bon, je vais sauver.
sûr qu'il est mort ? Tu rigoles ! On voit son cerveau ! Évidemment qu'il est mort ! Et son machin de cryptage, là ? La clé ? Oui, la clé de cryptage ! Je l'ai détruite ! Viens, faut pas traîner ici ! Comment est-ce qu'on recharge encore ? Comme ça. Ok, bon. Ça va, c'est ici. Ah, c'est une blague. Elle est coco. Non. Oh, c'est pas possible. Nom de doux. Sûr qu'il est mort ? Tu rigoles ! On voit son cerveau ! Évidemment qu'il est mort ! Et son machin de cryptage, là ? La clé ? Oui, la clé de cryptage ! Je l'ai détruite ! Mais peut-être pas obligé ! Viens, faut pas traîner ici ! Peut-être pas par ici tout compte fait, hein ? La zig, c'est qu'il y a encore des ennemis. Hein. La moitié mort en plus. C'est assez embêtant. Ça. Code d'accès. Le code d'accès. Est-ce qu'on a le 97531? Il n'y a rien, on a des petites munes, ça c'est très très bien. Ici il n'y a rien de spécial. Okay.
va aller par là. Oh, mais c'est pas possible. Allez, c'est pas mal. L'aile du quatrième étage est sécurisée. On a trois clés de cryptage. Et les fichiers sur l'arche. Tous détruits, jusqu'au dernier. Tant mieux. Laissez les cadavres sur place. Les flammes vont s'en charger. Bien sûr. Recevez. C'est blindé. Je vais sauver parce que ça va quoi, pas trop trop mal. On a une sacoche, encore une sacoche. Sors un peu. Qu'est-ce qu'on a ici? Et que dalle, ok. Attendez, je vais rentrer là-dedans. Je vais sauver. Apparemment pas. J'avais mis une mine moi. Je me suis peut-être trompé de pays. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Je pense pas qu'il y ait quelque chose ici. Ils ont mouru les cocos. À tout moment. Ici apparemment il y en a plein.
Bon, les ordis ont l'air désactivés, donc ouais, y a rien à récupérer ici. Ok. Bon, les mines, si on va pas trop vite, il y a moyen de passer à côté sans que ça pète, mais il faut faire gaffe. Ouais, c'est pas mauvais ça. Par contre, je vais sauver. Est-ce qu'on se laisse tomber ici? Je crois. J'espère. Alors, ça fait combien de temps qu'on enregistre? Ouh, déjà 26 minutes, ça va vite. La Kalinatech. Alors, où est-ce qu'on est ici? On a tiré les vers du nez à Ivan. Il reste un groupe de programmeurs mercenaires encore en vie au troisième étage. Ils sont coincés derrière un paquet de mines murales. Vous croyez qu'ils ont les clés de cryptage? Ça vaut le coup de vérifier. Oula. Attention. On a des ennemis. Et on a enterré. Ok, super quoi. C'est génial. Bon, il a fait une sauvegarde rapide le jeu, hein, donc on va voir. Pam pam pam. Bon, c'est pas évident, hein, là, là, plein d'arrivées. Chargement rapide. Bon, ça revient en main, quoi. Allez, hop, je vais en refaire une derrière. Ouais, le problème, c'est qu'il nous repère dès qu'on arrive. C'est un peu embêtant, ça. De toute façon, ici, après le blabla, on va vite sauver. Ah non, il fait une sauvegarde automatique, ok. C'est pas une rapide. On a tiré les vers du nez à Ivan. Il reste un groupe de programmeurs mercenaires encore en vie au troisième. Excuse-moi de te couper la parole, mais j'ai fait une... Ils sont coincés derrière un paquet de mines murales. Vous croyez qu'ils ont les clés de cryptage? Ça vaut le coup de vérifier. Ok. Je vais pas dire que c'est good, mais ça va. On s'en est sorti. Bon, pas de mine dans le coco ici. Il n'y a pas de porte ici. Non. Ce sera plus loin probablement. On voit pas grand chose, hein. Ce qui est bien, c'est qu'on est dans le noir. Ah, les PC sont là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Celui-là, il est mort, il est naze. On peut voir si on trouve pas des mines, hein, aussi. De toute façon, on n'est pas pressé, hein. Il n'y a pas de compte à rebours. Encore, en tout cas. Bon, apparemment, ils n'ont pas eu le temps de placer des mines ici, donc c'est tout bon. Les PC, ils n'ont pas eu le temps de les bousiller. Parce qu'ils détruisent toutes les preuves, hein. Mais bon, ici, je pense pas qu'il y a des preuves. Il y a un endroit, c'est marrant, c'est pas le trifouillé celui-là. Il n'y a pas de sacoche.
une sacoche. C'est bien. Est-ce qu'on a du soin? On n'a pas de soin. Ça, c'est un peu embêtant. C'est quand même fait bien toucher. Hein. Bon. Ouais, donc je disais, il y a un endroit où on devra se dépêcher, je crois, pour éviter qu'ils détruisent tous les PC. Il me semble, hein. Ou quoi, et c'est moi là. Oh, lui, s'il vous plaît, quoi. Oh, ce flingue. Ouais, y a rien à faire, faut vraiment jouer avec le zoom, sinon ça va pas, quoi. Oh, je sais pas quand j'avais sauvé en plus. Oh non. C'est pas possible, ça. J'avais pas sauvé. Ok. C'est bizarre. Il me semblait que j'avais sauvegardé pourtant. Mais bon, tant pis. Bon, les sauvegardes sont parfois un petit peu, comment dire, capricieuses, on va dire. On a tiré les verres du nez à Ivan. Il reste un groupe de programmeurs mercenaires encore en vie au troisième étage. Ils sont coincés derrière un paquet de mines murales. Vous croyez qu'ils ont les clés de cryptage? Ça vaut le coup de vérifier. C'est pas possible, quoi. Nom de Doom. Incredible. Allez, on y retourne. Bon. Passage un petit peu relou. Mais bon, c'est probablement moi qui joue très mal, hein, je ne dis pas le contraire. On a tiré les verres du nez à Ivan. Il reste un groupe de programmeurs mercenaires encore en vie au troisième étage. Ils sont coincés derrière un paquet de mines murales. Vous croyez qu'ils ont les clés de cryptage? Ça vaut le coup de vérifier. Normalement. Bon. Ok. Cette fois-ci, on les a schtroumpfés. Oh, on est fameusement blessés quand même. C'est mal joué, les gars. C'est mal joué tout ça. De petites pousses de soins, malheureusement.
encore un PC ici. Apparemment, ils disent pas grand chose, ceux-là. Bon. On va sauver. Sauvegarde rapide. Ouf. On va essayer de pas crever. Sauf que ça s'ouvre pas. Un autre. On va sauver. 20 minutes. Ouf, on va bientôt arrêter. On va un peu avancer. Alors, c'est ici qu'on va voir les mines. Désamorçage des mines. Ah ben ça va, ils ont sauvé. C'est pas compliqué, enfin c'est pas compliqué, c'est pas ce qu'il y a à dire évidemment. Ok, c'est pas mal. Il me faut une clé de cryptage. On n'en a pas. Et je devrais te croire. Il y a une bombe. Quoi? Les Spetsnaz ont mis une bombe afin de détruire toutes les archives. Le seul problème, c'est qu'elle est située juste à côté des tuyaux de gaz. Ça va faire sauter tout l'étage. Comment on y accède? Il vous faut le code d'accès de la porte. Je crois que c'est 3-3-5-7-5. Grimm a vérifié sur les plans du bâtiment. Son histoire de tuyaux de gaz, c'est du sérieux. Je suis en route. Dépêchez-vous, vous n'avez pas beaucoup de temps. Ah merde, c'est... T'es mouru.
par ici. Il y a une trousse de soins. On va probablement rater, hein, mais c'est pas grave. De toute façon, on va arrêter. Prochain homme. Bon, c'était combien le code là ? Il avait dit 3 3 5 7 5 3 3 5 7 5. Alors, on a une mine là. Ça va être juste, hein. Encore une mine ici. Encore une là. Et là, on peut passer ici. Une mine là, attention. Et là, on est foutu parce que qu'il n'y a pas assez de temps. Ah, ouvrir la porte. Fischer, c'est trop tard. Vite, ouais. Vous devez. Ok, vous se grouillez, hein. Grouillez les miches. Ok. Bah écoutez, on va sauver ici. On continuera hein, la prochaine fois. Parce que là, la vidéo commence à être un peu longue. Ouais, c'est pas un niveau qui est simple. Hein. Ouais, sauvegarde 3, c'est bien. Voilà. Bah, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Hein. J'espère que ça vous plaît. C'est pas évident. Mais bon, c'est ça, les Tom Clancy de l'époque. Allez, salut à tous, jouez bien. Ciao, ciao.